Bienvenue à l'Union financière. Avant de débuter, pouvez-vous confirmer que vous êtes l'équipe 5? Nous le sommes. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant avec le carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec les papiers, avec tous les participants? Donc, bonjour mesdames, merci aujourd'hui de nous accueillir pour que moi et mon équipe, Simon, Marc-Antoine et Chanel, nous aidons pour la succession de votre père ainsi que pour les études de votre fille. Donc, c'est le mandat que vous nous avez confié de s'assurer que la succession se passe bien, de faire la vente de Constructo Inc. Ensuite, la fiducie pour les études de Camille et faire à travers ça plusieurs éléments de planification fiscale. On va commencer tout d'abord avec la succession. On a plusieurs biens qui ont été légués. Sont tous mentionnés ici, donc on a l'argent en banque qui a été légué à vous, Martine. Cela n'a aucun impact fiscal puisque c'est juste un transfert d'argent. Le REER, il y a le deux tiers qui a été cédé à vous, Martine, puis l'un tiers à vous, Jeanne. Donc, il y a une imposition sur le montant qui a été donné à Jeanne au complet qui va être à effectuer. Donc, ici, on aurait peut-être pu avoir un élément de planification comme quoi que le montant total aurait été donné à Martine puis qu'on aurait compensé avec d'autres actifs pour Jeanne. En ce qui concerne l'obligation d'épargne Québec, aucun impact fiscal, tout va à Jeanne. Ce qui va être important de considérer, c'est qu'à l'avenir, cette dernière devra s'imposer sur 3 % d'intérêt annuel. La résidence principale et le chalet locatif en Floride, on a fait un choix entre les deux pour la résidence principale. Il est important de comprendre qu'on n'est pas des spécialistes de la fiscalité américaine, donc au Canada, on sait que ça va finir avec aucune imposition, mais il va être important d'aller vérifier aux États-Unis s'il n'y aurait pas, avec la vente qui procède, s'il n'y aurait pas des impacts pour cela. Nous, on a choisi ici le chalet locatif comme résidence principale. Puis la résidence principale, on la lègue à vous, Martine, au PBR, donc au produit de base rajouté. Vous n'auriez aucun impact fiscal par rapport à ça. Juste quand vous allez faire la vente à l'avenir, vous allez avoir votre prix de base rajouté un petit peu plus bas que la JN, donc un plus grand gain en capital en revenu-là. Pour ce qui est du véhicule, on lègue à vous, Martine. C'est un bien à usage personnel, donc il n'y a aucune perte qui va être déductible dans votre revenu. Donc, la différence entre le 95 000 et le 35 000 ne sera pas possible de le déduire. Pour ce qui est des actions privilégiées de John LT, vous voulez les garder, on va vous les céder au PBR. Il n'y a aucun impact fiscal puisque vous êtes la femme, donc vous avez le champ, le PBR et la JVM, on va y aller avec le moins d'impact fiscal possible. Les actions ordinaires de Pilcul, ça va dépendre si ensuite, après la vente, la compagnie liquide les actifs ou si on les vend puis ils vont les garder. Il va y avoir une petite différence, je vais vous l'expliquer dans le prochain diaporama. Et pour ce qui est du terrain voisin en Estrie, le PBR, on va vendre, on va le léguer au PBR, donc encore une fois, aucun impact pour vous, Martine. Donc, comme je disais tout à l'heure, le REER aurait dû être donné en entièreté à Martine, puis Jeanne compensé avec un autre actif. Le véhicule bien à usage personnel. Voici mon calcul pour la résidence principale. Donc, pour la maison, on avait un gain moyen par année de 4 630. Et pour le chalet, on avait un gain moyen par année de 12 500. Donc, on voyait que le gain par année était beaucoup supérieur pour le chalet en Floride. Donc, de 1999 à 2016, puisqu'il faut toujours se rappeler qu'il y a une année de plus lorsqu'on chevauche des années pour la résidence principale. Donc, de 1999 à 2016, on va prendre le chalet en Floride. Et de 1995 à 1998, on va prendre la maison comme résidence principale. Ça a pour effet que lorsque vous allez vendre, vous allez pouvoir utiliser de 1995 à 1998 comme exemption, puis par la suite de 2016 jusqu'à ce que vous faites la vente. Qu'est-ce qu'on vous expliquait tout d'abord par rapport aux actions de Pilicule? C'est que s'il y a une liquidation qui est faite avec les actions, il va falloir s'imposer sur un dividende réputé. Donc, on va avoir une somme reçue de 125 000, un PBR, un capital versé de 45 000, ce
Tu vas me donner un dividende réputé de 80 000. Il va être imposable avec une majoration de 1,18, un crédit de 13 sur 18. Mais il est important de comprendre que c'est beaucoup plus imposé qu'un gain en capital. Et c'est pourquoi il aurait fallu avoir une convention entre actionnaires lorsque vous avez fait la compagnie, puisqu'on aurait pu éviter ce problème. On voit l'autre option, s'il garde toutes les actions et qu'il ne les liquide pas, on va avoir un gain en capital nul grâce à la déduction pour gain en capital. On peut utiliser la déduction pour gain en capital puisque vous avez eu les actions pendant plus de 2 ans. Et pendant ces années-là, plus de 50% de la GVM des actifs était utilisée pour un revenu d'entreprise exploité activement. Et lorsque vous avez vendu, 95% de cette dernière était utilisée pour un revenu exploité activement. Donc, vous suivez les critères possibles, ce qui fait que vous pouvez déduire la déduction pour gain en capital, ce qui vous donne un gain en capital imposable nul. Par rapport au dividende de 5 000 $ que vous avez reçu, ça va être dans une déclaration de revenus distincte. Donc, le dividende de 5 000 $ n'aura aucun impôt puisque vous allez bénéficier de la table d'impôt progressive puis de nouveaux crédits. Donc, ce 5 000 $-là, il va être automatiquement tombé nul. Puis, vous devez faire cette déclaration-là 90 jours, dans les 90 jours suivant votre déclaration normale. Pour votre déclaration normale, ça va être dans les 6 mois après la date du décès ou la date d'impôt normal. Donc, ici, on va parler du 15 juin. Il est important pour vous de faire un certificat de décharge. Donc, pour être sûr d'accumuler aucun impôt puis de vous faire revenir par l'ARC par rapport aux impôts que M. Pelletier pourrait payer, il est important d'obtenir le certificat d'échange, comme ça, vous indemnisez de toute conséquence future. Pour ce qui est du 25 000 $ que vous n'étiez pas sûr d'avoir à payer, votre mari avait heureusement une police d'assurance de 100 000 $ donc vous allez pouvoir payer ce 25 000 $-là avec ça. Puis pour les impôts qui vont être à payer, donc ici on a le calcul, on n'a pas tous les montants exactement, fait qu'on a pris les montants qu'on avait puis on vous les a indiqués. L'impôt payable va pouvoir être étendu sur 10 ans. Donc avec des intérêts, bien sûr, mais on va pouvoir le payer sur 10 ans, tout dépendant du montant qu'on a. Donc, revenu d'emploi, 95 000 $ de salaire avec tous les avantages que j'ai expliqués aux diapositives juste après. Revenu de bien, 22 000 $. Gain en capital, on n'en a aucun. Ça, il faut comprendre que c'est pour l'année 2015, donc c'est pas pour l'année 2016, donc tout ce qui a été disposé préalablement. On va pouvoir utiliser un REER, donc on a jusqu'au 28 février pour cotiser pour le REER. Important de le faire vu que c'est toujours bon pour bénéficier de l'impôt, puis ça va être transféré ensuite à votre femme. Ensuite, on va avoir les crédits de base, crédit pour conjoint, crédit pour emploi, crédit pour don malheureusement puisque c'est un organisme qui n'est pas enregistré. On ne pourra pas déduire le don, mais si ça avait été un organisme enregistré, il aurait été déductible à 100%. Donc, ça aurait peut-être été bien de regarder ça juste avant. Donc, pour ce qui est des avantages des reports de pertes pour les congrès, le report de pertes que votre mari a subi dans Construit tout SNC, il va être déductible dans le revenu personnel de 2012-2013. Ça n'a pas été fait, donc le report d'impôt se fait sur moins 3 plus 20 pour les pertes autres qu'en capital, et ceci au prorata de la participation dans la société. Donc, ça va être un avantage qu'on va pouvoir aller chercher. Pour les congrès, malheureusement, ce n'est pas dans votre juridiction. Donc, vous êtes sorti, vous êtes allé à Las Vegas, dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas déduire ces dépenses-là. Pour ce qui est des frais de repas, 50% comme les autres frais de repas. Et puis, l'avantage que vous avez eu par rapport à la location du véhicule. Donc, on sait que vous utilisez à 60% le véhicule pour le travail et 40% pour de l'usage personnel, donc vous allez avoir un avantage à vous imposer ici. Et puis les dépenses relatives aux épouses et à la pêche quand que vous partez avec votre petit avion, bien sûr, c'est toutes pas des dépenses qui vont pouvoir être mises dans votre revenu, donc il va falloir s'imposer ici sur un petit avantage. Je vais céder la parole à mon collègue Marc-Antoine. Donc, une fois la succession liquidée, une fois que vous avez votre certificat de décharge et que vos biens vont être répartis, vous allez vous retrouver avec 2 biens que vous avez mentionné vouloir vous départir, c'est-à-dire la vente, le terrain boisé ainsi que le véhicule, une Mercedes. Donc, pour ce qui est de la Mercedes, premièrement, on a vu avec ma collègue précédemment que ça va être transféré à l'AGM actuelle qui est de 35 000
et que vous avez reçu une offre d'achat pour le même montant. Donc, une fois que vous avez vendu, il n'y aura aucun impact fiscal puisque le produit disposé, au moins le PBR, sera de zéro. Maintenant, vous vous demandez pourquoi votre mari avait un terrain boisé au lieu d'avoir des placements. Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Donc, je vais sortir un petit peu les points pour, les points contre. Pour ce qui est d'un terrain boisé, le principal point pour, c'est qu'une fois, qu'il va avoir une vente, si le bien a la valeur, il va avoir un gain capital. Un gain capital, ça permet l'imposition seulement 50%. Et pourquoi est-ce qu'on investirait dans un terrain boisé? Ça dépend un peu du potentiel du secteur. Est-ce qu'en ce moment, il est dans une forêt, mais éventuellement, ça va devenir un parc industriel, alors le terrain va prendre beaucoup de valeur? Est-ce que... Donc, dans le fond, pourquoi votre mari investit dans ce terrain-là? Il faudrait peut-être faire une étude de marché à savoir est-ce que le secteur a du potentiel et est-ce que le terrain va prendre de la valeur. Et aussi, investir dans un terrain apporte souvent des risques moindres puisque l'immobilier grimpe majoritairement. Pour ce qui est d'un placement, le principal avantage, c'est que ça apporte du revenu annuel. Vous n'avez pas seulement un revenu une fois le terrain vendu, vous avez du revenu d'intérêt, des dividendes à chaque année, dépendamment des placements. Cependant, encore une fois, dépendamment des placements, il y a un risque variable. Donc, des placements plus risqués qui peuvent entraîner des pertes et des placements moins risqués qui entraînent moins de revenus. Et une fois que c'est vendu, il y a encore une fois juste une imposition à 50% si le placement a pris de la valeur. Mais pour le reste, c'est des impositions à 100% pour ce qui est des revenus d'intérêt et les revenus de dividendes en fin de majoration. 38% si c'est un dividende déterminé ou 18% si c'est un dividende autre que déterminé. Pour ce qui est de la compagnie Construit-Tout, qui est une société en nom collectif, vous vous demandiez avec Serge qui veut racheter l'entreprise quelle option favoriser, est-ce que c'était un bon prix de vente? Premièrement, il faut considérer qu'on n'a pas la valeur de l'entreprise actuelle. Ce serait bien de la faire évaluer par un expert en entreprise, savoir combien ça vaut. Est-ce que c'est une offre juste qu'il vous offre, Serge? Pour déterminer le prix de base ajoutée d'une société en nom collectif, on vous a fait une petite liste. En fait, ça prend la part initiale que votre mari a mis dans la société Construit-Tout. Ensuite, il y a toute sa part des revenus d'entreprise, donc les dividendes qui sont non majorés, les gains capitaux à 100%, fait augmenter son prix de base ajouté. Les apports supplémentaires qu'il a inclus dans la compagnie. Et on enlève ça, la part des pertes de l'entreprise, les retraits de l'entreprise et sa part de dons de charité et de contributions publiques, ce qui nous donne son PBR, avec quoi nous calculerons le gain capital qui découlera de la vente à Serge. Pour ce qui est de la vente, on avait deux options, soit 550 000 l'année 1 et c'était tout, ou ce que j'ai calculé pour vous, qu'on peut voir à l'annexe 1. Ce qui vous donne 45 000 la première année, puisque l'entreprise va perdre la valeur la première année, comme c'était indiqué, et que c'était 10% par année pour l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Donc, avec la reprise de valeur de 2%, je vous montrerai le calcul un petit peu plus tard, mais ça nous donne un montant de 45 000 l'année 1, 45 900 l'année 2 et 46 818 l'année 3, et plus une contribution finale à l'année 5 de 500 000. Donc, si on regarde les chiffres bruts, on a 550 000 pour l'option 1 et 637 718 pour l'option 2. C'est important de considérer aussi la valeur de l'argent dans le temps. Est-ce que vous avez besoin de liquidité maintenant? C'est quoi votre taux marginal des positions en ce moment? Et aussi, il faut mentionner que l'option vous entraîne du gain capital cette année, parce que l'option 2 crée une participation résiduelle qui va faire en sorte que le gain capital sera seulement une fois la participation résiduelle réduite à zéro. Comment ça fonctionne? C'est que si votre PBR, par exemple, est de 500 000 une fois que vous avez reçu réellement 500 000 les revenus supplémentaires seront imposés en gain capital, donc encore une fois à 50%. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Simon pour la fiducie. Donc, moi, je vais vous parler de la fiducie. En fin de compte, les moyens qu'on peut envisager pour les études de Camille. Premièrement, les options qu'on a envisagées, la création d'une fiducie discrétionnaire, c'est qu'est-ce que vous aviez pensé, on va expliquer c'est quoi, puis c'est quoi les avantages, les inconvénients. Après ça, il y a le RÉE, qui est le régime d'épargne enregistré d'études. On en parlera aussi, les incidences que ça a, c'est quoi comment vous allez le financer, et aussi la création d'une GESCO pour pouvoir aussi financer les études. Donc, premièrement, on va parler de la fiducie.
La fiducie, c'est un contribuable. C'est-à-dire qu'elle va faire un rapport d'impôt comme les autres. Le rapport d'impôt doit être fait dans les 90 jours après la fin de l'année. Le paiement d'impôt aussi. L'utilisation elle va pouvoir utiliser les crédits d'impôt, sauf pas les crédits personnels. Donc, par exemple, des dividendes, après avoir un crédit de dividende. Toutes les dividendes sont par rapport aux revenus. Ensuite, ça permet une protection des avoirs. C'est-à-dire que c'est un patrimoine distinct de, par exemple, votre fille, Camille, et de vous. Donc, si plus tard, elle aurait des problèmes ou peu importe, en fin de compte, le bien qui va être dedans va être protégé par rapport au recours qu'il pourrait avoir, par exemple, une banque ou d'autres choses. Le principe de distribution des impositions et des revenus, en fin de compte, on peut décider à ce qu'on garde les revenus dans la fiducie, on impose dans la fiducie, ou ça va être à la bénéficiaire qui va se faire, par exemple, imposer. Ça va dépendre des taux marginaux qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Donc, on peut imposer dans la fiducie ou imposer par le bénéficiaire. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, c'est un conduit pour les revenus. Donc, si c'est un dividende, ça va sortir en dividende. Si c'est un revenu de bien, ça va être un revenu de bien que le bénéficiaire va devoir s'imposer. Si c'est un gain capital, c'est un gain capital. Donc, ici, dans votre cas, ça va être la création d'une fiducie discrétionnaire entre vivres. Donc, on aura le choix de verser le revenu ou de le garder dans la fiducie. Ça va être le fiduciaire qui va pouvoir décider ça, c'est lui qui va administrer la fiducie. Le taux d'imposition, ça va être le plus élevé, au Canada, 29%. Il va y avoir quelques planifications fiscales qu'on va pouvoir regarder un petit peu plus tard pour savoir si c'est mieux de garder dans la fiducie ou de nos bénéficiaires. L'acte de fiducie, on va faire un acte de fiducie. Ici, dans le cas, ça va être Camille qui va être la principale bénéficiaire. Et le fiduciaire nous avait demandé est-ce que Jason, votre conjoint, va pouvoir être le fiduciaire. Ici, ça va être il faut comprendre que c'est l'administrateur. Donc, oui, c'est bien, mais est-ce que vous voulez vraiment que votre conjoint, s'il arrive quelque chose, c'est toujours lui qui va contrôler pour votre fille? C'est à voir, c'est à vous de choisir. C'est pas une mauvaise idée. Finalement, ça va être, la fin d'année va être le 31 décembre. C'est une fiducie entre vifs, donc on n'a pas le choix de le faire au 31 décembre. Donc, la date de production de paiement va être le 31 mars pour respecter les 90 jours qui étaient mentionnés précédemment. Ensuite, il va y avoir la possibilité de rajouter des bénéficiaires. Tout d'un coup, vous avez une autre fille ou un autre garçon que vous voudriez qu'il contribue aussi, qu'il puisse bénéficier de la fiducie, il est possible de le faire. Donc, pour la fiducie, vous vouliez que le chalet locatif, les revenus du chalet locatif soient attribués à votre fille. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est l'acquisition du chalet locatif au coût d'acquisition. Donc, on va faire une vente la fiducie va acheter, en fait, compte, à 605 000, qui correspond à la JVM auparavant qui a été transférée donc au PBR, comme ma collègue a dit. Le PBR était de 605 000, donc elle va le vendre à 605 000, donc aucun impôt. Donc, on évite une double imposition en transigeant à la juste valeur marchande. Ça ne devrait pas augmenter si on fait ça dans des délais. C'est sûr que si vous faites ça dans 5 ans, c'est sûr que ça ne serait peut-être pas 605 000, ça serait peut-être 610 000. Ensuite, on évite aussi les règles d'attribution par rapport aux dons. Il y aurait un problème d'imposition si ça serait donné à la fiducie, puisque ça serait plutôt vous qui allez vous imposer sur le revenu d'intérêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose? Financement par dette, la fiducie pourrait demander d'avoir un emprunt. Ça serait payable par rapport au revenu. Par exemple, si c'est, disons, 40 000, ben, 40 000, puis les revenus, c'est 50 000. Donc, le premier 40 000 serait pour payer. Et ensuite, on pourrait distribuer les revenus. Par la suite, il y aurait la déductibilité des intérêts, puisqu'ils servent à gagner un revenu de bien. Ça serait possible de les déduire. Et si, par exemple, vous avez des problèmes là-bas, ben, s'il y a une perte de bien, ça permettrait de pouvoir avoir une PAQC, puis pouvoir reporter une perte dans le temps. À ce moment-là, ça serait peut-être mieux de pouvoir imposer dans la fiducie et après ça, de verser le montant à Camille. Donc, ça serait un revenu de bien pour Camille et la fiducie, puisque ça serait un revenu de location. Donc, les planifications fiscales, l'attribution des revenus en entier à Camille, puisqu'il s'agit d'un taux d'imposition
moins élevé. Si elle est plus jeune, elle a 3 ans, elle devrait avoir d'autres revenus. Donc, d'ici ses 18 ans, elle devrait être capable de pouvoir payer moins d'impôts que la fiducie. Ensuite, la liquidation des biens avant le 21 ans du bénéficiaire. Ça permettrait de pouvoir distribuer à ce moment-là, on distribuerait les biens par rapport à la valeur fiscale, ce qui permettrait un rapport d'impôt à la disposition réelle, donc quand elle va vraiment disposer de l'actif. Ensuite, les précautions à prendre, ben, ce sont décrits ici. Nouveaux actifs, si on verse des dividendes en gain capital, il y a certaines lois qui s'appliquent. Donc ici, ça serait qu'est-ce qu'on propose. Ensuite, il y a le placement, le REIS, ça serait un placement d'études postsecondaires. Fonctionnement, c'est les critères qui marchent. Est-ce que je peux avancer jusqu'à... Je voulais juste savoir, en fait, vous avez calculé un petit peu ce qui se passe en 2015, mais en 2016, est-ce qu'il y aurait finalement des impôts à payer? Oui. Puis si oui, est-ce qu'on a les liquidités pour... C'est sûr que la police d'assurance vie, ça va être non imposable, donc ça pourrait permettre de pouvoir payer les impôts à payer. Mais il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer puisqu'il n'y a pas vraiment de disposition. Il y a une disposition réelle, mais souvent, il n'y a pas d'impact fiscaux qui est très important, donc ça ne devrait pas avoir de grandes incidences. Le montant devrait être suffisant pour pouvoir payer. OK. Puis est-ce qu'on peut payer aussi les impôts de 2015 avec… Oui, ça serait possible. Finalement, vous étiez en train de parler de la fiducie et du régime enregistré d'épargne. Toute votre conclusion par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez fait? On avait choisi de la fiducie. C'est plus un projet à long terme. Par exemple, un RIE, elle a 3 ans, qu'est-ce qu'il dit qu'elle va aller à une étude postsecondaire? Donc, à ce moment-là, vous ne pouviez pas récupérer tout. Vous récupériez l'ensemble initial de votre investissement, mais la subvention puis les intérêts que vous auriez fait, vous allez devoir les rembourser avant de payer un impôt supplémentaire. Donc, la fiducie était plus à long terme. Donc, si elle ne fait pas ça, bien, elle a quand même eu le montant. Elle aurait pu, par exemple, le placer dans des placements, puis plus tard, pour pouvoir faire un gain supplémentaire. C'est un projet plus à long terme qu'on est en train de compter. Juste m'assurer que je comprends votre solution. Au niveau de la fiducie, là, vous suggérez de prendre la fiducie et de ne pas laisser les revenus dans la fiducie, mais de les attribuer au fur et à mesure qu'ils rentrent à Camille? Oui, ben, le plus possible, parce que le taux d'imposition va être le plus élevé. Si, par exemple, il y aurait une perte, ben, la perte serait gardée dans la fiducie. Comme ça, si une autre année, il y avait un revenu, ben, ça serait le montant va être sorti, mais l'imposition va se faire dans la fiducie pour ce montant-là, parce qu'on peut déterminer un montant qui va rester dans la fiducie. Vous avez parlé du choix là, au début entre la maison et le chalet. Le choix de résidence principale en attribution différente, est-ce qu'il y a un impact fiscal? Est-ce qu'il va y avoir de l'impôt là-dedans? Comment ça va fonctionner par la suite? Comment ça fonctionne? C'est que la résidence qui va être choisie comme résidence principale va être complètement exonérée du gain en capital. Pour la deuxième, puisque là on la lègue au PBR, il n'y a pas d'instance pour M. Pelletier, mais pour Mme Pelletier, il va y avoir l'incidence que le PBR va être plus petit. Donc si ça continue à prendre des gains, bien sûr, le gain va être plus élevé, mais elle, à partir de 2016, elle va pouvoir aussi utiliser l'exemption pour résidence principale. Au niveau des actions de Plicul, juste pour m'assurer du traitement, vous avez parlé d'exonération de gains en capital. À ce moment-là, ça va être dans quelle déclaration? Puis comment vous allez traiter tout ça là, pour bénéficier de cet exo-là? Le numéro de déclaration de formulaire, dans le fond, je l'ai vérifié dans la loi, c'est ça que vous avez... Non, c'est pas ma question, c'est plus, est-ce que ça va être dans déclaration de monsieur, dans déclaration de madame? Vu que madame a reçu les actions et que c'est elle qui les possède en ce moment, c'est elle qui va pouvoir bénéficier de la déduction pour gain capital. Faire noter que c'est une déduction pour l'instant qui est de 813 600 viager, c'est-à-dire une fois dans la vie. Donc, votre solution, c'est que quand elle va vendre ces actions-là, elle va en bénéficier... Elle va prendre sa propre déduction en capital pour s'exonérer du gain en capital qu'elle a tout. OK, parfait. Concernant la participation dans Construit tout, dans le fond, il y avait deux options. C'est ça. Puis là, j'ai bien compris, c'était plus l'option 2 qui faisait votre affaire ou... Ben, dans le fond, l'option 2 permet un report des impôts juste une fois qu'ils sont réellement constatés. Fait que ça dépend surtout des revenus de Martine. Est-ce qu'ils vont augmenter dans le futur? Est-ce qu'ils sont
quand même, c'est assez fort, son impôt peut être forcément être au seuil le plus haut. On sait qu'il est caissière, probablement qu'il n'est pas au seuil le plus haut actuellement. Donc, ça dépend de ce qu'il va réaliser d'un placement et que ça va être son terrain de poser. C'est plein de variables à prendre en compte. Mais on constate le rapport. À la base, là, monsieur décède. Est-ce qu'il y a une imposition pour monsieur associée à la participation dans Construit Tout? Puisqu'elle va à madame, non, il va transférer à son bébé. OK. En fait, ça va à moitié à madame, moitié à sa fille. En tout cas, on ne sait pas trop. Si ça ira à sa fille, disons. Ça va être transféré à la JVM. Elle, il faut qu'elle constate tout de suite son dégât en capital à résultat. Elle, Jeanne? Elle, Jeanne, oui, elle, Jeanne. OK. Parce qu'il y a toujours, peu importe, il n'y a pas d'impôt pour le décès. Pardon, je m'excuse. J'ai pas à parler, ça va être monsieur qui va constater son gain de capital sur la vente. Et Jeanne va avoir sa partie de ses actions à la JVM. Puis est-ce que c'est possible dans l'année du décès de réclamer une provision pour gain de capital? Parce que vous dites que ça permet d'étaler l'imposition. C'est possible. Toutefois, il faut que ce soit au conjoint. Puis il faut que quand il va pouvoir la donner, ils ne peuvent pas être en même temps. Donc si c'est la conjointe qui apprend dans l'année future, il ne faut pas que ça soit dans cette année-là. Il ne peut pas en avoir deux fois, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que la provision, elle peut se donner seulement qu'une fois. Donc, si elle est donnée à la conjointe, c'est la conjointe, donc pas le décédé qui va le prendre. Par la suite, c'est sûr que ça va pouvoir. Si c'est, par exemple, à un autre que conjoint, ça reporterait. Donc, précédemment, on intégrait la provision dedans, le revenu d'emploi. Donc, ça serait pas bon. Merci. Merci.